pas. Bon, je crois que vous n'avez aucune excuse. C'est le quiz du jour. Je pense que vous l'avez reconnu. On est en Corse du Sud. On est dans un village que vous connaissez certainement, entre autres, pour sa charcuterie. On va en parler. Derrière nous, Côte-Saint, Noé avec nous. Bonjour. Bonjour. Florence. Oui. Tu travailles? Pour les jeunes agriculteurs de Corse. Le syndicat des jeunes agriculteurs de Corse, l'agriculture comprenant un vaste domaine, dont la charcuterie, l'élevage porcin. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui en direct sur Facebook, sur la page Via Steel, puisque de ce côté, vous avez le village de Côte-Saint. Mais si on continue de tourner un petit peu la caméra, ici, juste en face de nous, bien c'est le musée du cochon. Opération du jour, Florence, avec le syndicat des jeunes producteurs agriculteurs, c'est L'opération Agrigousse, c'est au fil des saisons. Alors, ce n'est pas une opération one shot, on va dire, c'est une opération qui dure tout au long de l'année sur la saisonnalité. C'est ça. Et aujourd'hui, on fait un focus sur la filière porcine et sur sa charcuterie en AOP. Et vous travaillez, en l'occurrence, avec une demoiselle qui est, alors je vous le dis, hein, puisqu'on est sur Facebook, on peut tout se dire. La demoiselle que vous allez voir travaille pour le syndicat, elle, AOP. Le syndicat, le vrai nom, c'est Sarah Mairie à Gourse. Et elle me déteste parce qu'elle ne savait pas qu'on allait lui parler en direct. Mais c'est pas grave, Sarah. Tu vas juste nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous travaillez bien en partenariat sur cette opération. On a dit, le but aujourd'hui, alors on voit des sacs. Si le caméraman Laurent Simon-Paul peut aller montrer les sacs, il y a des sacs, ça sent bien les sacs d'enfance, ça. Hein un peu, ouais. Hein. Enfin, sinon, c'est Raconte-nous. bizarre. Aujourd'hui, l'idée, c'était quoi sur cette opération? Alors, nous, on est monté à Côte-Saint pour faire l'opération Agrigoust. Moi, j'ai des contacts donc dans l'AOP, logique. Donc, Animatrice, le terme, c'est animatrice au syndicat Animatrice, technicienne, ouais, du syndicat Sarah Mairie à Gourse. En gros, l'opération, il y a le syndicat avec Florence, il y a le Voilà. syndicat AOP, C'est il y a ça. l'école De de Côte-Saint. Côte-Saint. Les enfants sont là-bas, je vous promets, on va aller les voir, mais il faut un petit peu de bruit. Il y a Il y a un l'école, agriculteur. l'agriculteur producteur sur lequel on fait un reportage. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des caméras là-bas, on fait un reportage, il s'appelle Dominique Cesari. Et il y a le musée. Alors, le musée, là, vous avez une pièce. Ils étaient ici avant, ils sont dans l'autre pièce, on y va? Allez. Alors là-bas, on a l'impression qu'ils sont un peu plus calmes. Voilà, là vous voyez l'animatrice qui s'appelle Laurence, qui est en train d'expliquer aux enfants justement comment ça se passe, la production de porc, de charcuterie Noustrala, à ces enfants qui sont plutôt déjà sensibilisés en général à cette population. Ils connaissent un peu. Oui, ils connaissent un peu. Et puis là, donc justement, on vient d'arriver au musée. On était sur l'exploitation juste avant. Ils ont pu voir l'élevage, les différentes les étapes. différentes étapes, les bébés et tout ça, et aussi la transformation. Donc c'était bien. Ils ont déjà mangé déjà la coppe, le lons, la saucisse, le saucisson. On a vu qu'ils appréciaient plutôt en Et général la voilà, charcuterie. ils ont aimé. Et du coup, là, ils vont pouvoir voir à quelle partie du cochon ça correspond. Donc c'est assez sympa, ouais. Le but de ce genre d'opération où on met en relation les producteurs et les enfants, c'est quoi? C'est les sensibiliser, leur expliquer que dans la charcuterie, comme d'habitude, il y a différents types de charcuterie. Le tout, c'est de savoir ce qu'on achète pour pas avoir l'impression de se faire gruger, quoi. Exactement, exactement. Donc là, oui, le but de voir d'être avec des enfants, c'est justement, oui, de les sensibiliser au monde agricole, tout ça, et à la charcuterie en particulier, et surtout, donc, bon, moi, je travaille dans l'AOP, mais oui, exactement. En fait, il faut surtout sensibiliser les gens en général, de toute façon, pas que les enfants, à expliquer ce qu'est la charcuterie AOP, comment la différencier. Donc, on a Le dit. but, quand on sensibilise les enfants comme ça, viens, on va passer de l'autre côté. Quand on sensibilise les enfants comme ça, c'est aussi une façon d'espérer qu'eux ramènent la bonne parole à la maison auprès des parents. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'en général, quand ils font une sortie ou quoi, c'est toujours bon, j'ai fait ci aujourd'hui, j'ai fait ça, et c'est vrai que c'est important. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, donc. On va aller leur demander tout à l'heure s'ils ont bien compris le message. Ce genre d'opération, en général, avec le syndicat, vous en faites sur toute la Corse? Justement, avant, donc, on faisait la semaine du goût, et là, on a préféré.
Dilué sur toute l'année ? Dilué sur toute l'année, en fonction de la saisonnalité des produits. Et du coup, nous, ça nous intéresse plus parce que, justement, là, pendant ce mois de mai, c'était sympa. C'est le moment de la production. C'est le moment de la production aussi, de la vente. C'est surtout le moment de la vente. Donc, du coup, les enfants ont pu voir l'affinage, la cave d'affinage pleine de produits. Alors que si on vient en pleine période de charcuterie, ils auraient juste vu une carcasse sanguinolente comme ça. C'était pas génial pour des enfants. Ils ont pu voir des bébés. Donc c'est je pense que niveau période et c'était beaucoup mieux de faire comme ça, donc étaler sur l'année. En général, c'est vous qui contactez les écoles ou c'est les écoles qui vous contactent? Nous on fait pas trop de, en général on travaille surtout justement avec Florence, les jeunes agriculteurs, ouais, pour ces trucs. Je vais la rappeler, Florence. Viens avec nous. Je pose une question et c'est toi qui vas peut-être pouvoir me donner la réponse. Je te récupère. Viens avec nous. Ne laisse pas Sarah tout seul. Sacha, pardon. Elle va me tuer sinon. Les opérations avec les écoles, c'est vous le syndicat qui allez vers les écoles ou c'est les écoles qui vous contactent ou comment ça se passe ? Alors là, pour cette opération, pour cette année, en fait, on a sollicité nous les écoles parce qu'en matière de logistique, en fonction des, on a choisi d'abord les exploitations où on voulait faire les visites et après, pour les moyens de transport, la logistique et tout ça, on a sollicité les écoles à proximité. Combien de fois par an, en général, on fait ce genre d'opération ? Alors là, c'est la première année qu'on fait cette opération et on va intervenir sur 12 écoles. 12 écoles, sur l'ensemble du territoire régional. 2 journées, oui, voilà, en Haute-Corse et en Corse du Sud. Il faut toujours respecter, hein, pile poil la moitié, parce que sinon on va avoir des soucis. Si vous voyez un monsieur là-bas avec une caméra qui va nous faire coucou, voilà, il s'appelle Nicolas et c'est parce qu'on fait aussi un reportage que vous pourrez retrouver sur le site de Viastel et sur la page Facebook. Merci Sacha, merci Florence. Puisqu'on y est, on va embêter, où est-ce qu'elle est ? Hop, elle est là-bas. On va descendre, on va la rejoindre, même si elle est peut-être un peu en contre-jour. Bougez pas les enfants. Enfin, si bougez un petit peu, laissez-moi passer. Hop. Hop, hop. Sur les histoires, parce qu'il y a eu des histoires sur les cochons. Bonjour. Bonjour. Faites comme si j'étais pas là. D'accord. On continue. Donc en bas, on va aller voir un film qui raconte un petit peu toute l'histoire du cochon depuis le début. Vous savez que le cochon, il a un signe positif ou négatif ? C'est plutôt le bien ou plutôt le mal, le cochon ? Le bien. C'est plutôt le mal. Pourquoi ? Parce que... Je sais pas. Si ? Tu sais ? Qu'est-ce qu'il fait avec ses pattes ? Il marche. Il marche. Il court. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il est... Il mange beaucoup. Quand il marche, il remue tout, donc il dévaste un peu tout le sol. Il court. Il fait du bruit. Il a trouvé tout mon jardin. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé tout mon jardin. Il n'y a que de la terre maintenant. Ouais. Et après, il faut tout nettoyer. Je vais. Papa, il a pris son épée. Ça, on en reparlera une autre fois. Et là... Laurence, juste, je te coupe deux secondes. Deux petits instants, les enfants. Ça veut rien, on a dit deux secondes. Non, je plaisante. Laurence, tu reçois au sein de ce musée les écoles, bien entendu, mais pas seulement. C'est ouvert à tout le monde ? Alors oui, c'est ouvert à tout public et notamment au groupe. Donc tous les vendredis, on propose un pack en fait avec la visite de l'exploitation porcine, du safran, la visite du centre d'interprétation. Donc pour les groupes, et ensuite on a les groupes de vacanciers. Donc si on a envie de faire cette visite qui comprend le safran, la charcuterie, mais aussi le musée, il faut contacter le musée ici, il faut s'inscrire, il y a un site internet. Oui, alors il y a un site internet, mais je ne le connais pas. Elle ne le connaît pas. Alors moi ce que je vous conseille, vous voulez passer Laurent, pardon. Vous allez sur un moteur de recherche célèbre, vous faites musée du cochon Côte-Sane, et je vous promets, vous allez tomber sur le site internet. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est les enfants de l'école d'à côté. C'est des enfants qui sont plutôt sensibilisés déjà à la charcuterie. Oui, parce qu'en effet, dans leur famille, déjà, il y en a certains qui sont éleveurs charcutiers. Et donc, on voit bien qu'ils en connaissent déjà un rayon sur l'élevage porcin. Tiens, justement, les enfants, qui c'est qui a dans sa famille quelqu'un qui fait de la charcuterie ? Moi, mon tonton. Toi ? Tonton. Et la meilleure charcuterie, c'est celle de qui ? Plus... La meilleure charcuterie, c'est celle de qui ? Mon tonton. Voilà, comme ça au moins, vous voyez qu'on n'est pas du tout chauvin. Le musée, en quelques mots, il y a
Une, deux, trois, quatre pièces, un film. Alors oui, au rez-de-chaussée, il y a la boutique et une vision globale hein, sur la production de porcine en Corse. Ensuite, on a un accueil pour les plus petits, avec des livres adaptés. C'est la zone qui est juste là derrière, avec les coussins. Derrière, avec des coussins. Ensuite, on a un port pour découvrir les différents éléments de charcuterie. On, alors, on va l'appeler notre ami de la caméra pour montrer le port avec... Viens, Laurence, deux secondes. Monsieur le caméraman, s'il vous plaît, regardez. Vous voyez, là, on vous explique en fait, avec des petites trappes dans le cochon, ce qu'on peut trouver. Le lonzo, c'est par ici. La côpe, c'est par là. Ici, on a le salsich, la pancette. Et bien entendu, la pièce de choix, elle est là, c'est le prisout. Ensuite, après ce cochon, attrape. On a une partie sur Kozan. Sur l'histoire, la tradition d'avoir que chaque famille avait un cochon à la maison. À l'époque, sur les maisons typiques. Ensuite, on a une partie sur la montagne et une petite partie sur le Loir qui était chassé à l'époque. Et ensuite, au sous-sol, on va avoir toutes les temps forts des différents mois. Qui se passe à la saisonnalité au niveau de la production de charcuterie. Et un film qui commence d'ailleurs dans 9 minutes que nous allons aller voir. Alors regardez, il y a un décompte là-bas. On est en direct. Dans 8 minutes et 57 secondes, le film va commencer. Donc il ne faut surtout pas que les enfants loupent le début. Laurence, je vais vous laisser un dernier mot. Si quelqu'un ne connaît pas ce musée, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il vienne ? Il faut lui dire que c'est moderne, interactif, accessible à tous et convivial. Et qu'on peut rencontrer les éleveurs. Et... On parle de sous, tiens. C'est combien aussi ? Ah oui, de sous. C'est 5 euros l'entrée. 5 euros, vous avez la visite du safran. 5 petits euros, vous avez le safran. Vous avez... Non, on n'a pas tout ça pour 5 euros. Pour 5 euros, on a la visite du centre d'interprétation. Je vous la vendais, moi, derrière vous. Mais pour les groupes, donc on a une formule à 50 euros avec le safran, la visite de l'exploitation porcine, le restaurant, à partir d'un groupe de 7 personnes constituées. Franchement, n'hésitez pas. Vous allez sur moteur de recherche, vous retrouvez, merci Laurence, vous retrouvez l'adresse du musée. Tiens, puisqu'il y a des gens, alors ça c'est l'équipe. Comment ? Mais retournez sur la page Facebook, puisque vous étiez sur la page Facebook. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on est en direct. Alors, je prends votre téléphone, puisque c'est votre prénom ? Ludivine. Bonjour Ludivine, on voulait être discrète. Alors, les commentaires. N'hésitez pas, bien entendu, comme nous sommes en direct sur la page Facebook, n'hésitez pas à réagir. Émilie, qui nous fait des bisous, qui nous dit que c'est une très bonne idée. Il y a Jeanne, qui nous fait un bisou. Pascal, qui nous dit qu'apprendre aux jeunes, c'est top. Belle initiative de Marie-Louise. Mon neveu qui parle, je t'aime. Ouais. De Claudio. Voilà. Et qui on est, d'accord. Et Jean-Louis, une bonne idée, belle initiative, merci. Un dernier mot, justement, pour les enfants, qu'est-ce qu'on doit leur dire quand on a fait ce genre d'opération ? Qu'est-ce qu'ils doivent garder en tête ? S'il devait y avoir qu'une phrase. Ah, ben oui, ça c'est juste avant de terminer. Bien. Non, leur dire que les produits de qualité, c'est important. Oui, exactement, oui, non, voilà. Enfin, tant qu'à faire, on est en Corse, il y a un potentiel agricole super, de fou. Donc du coup, tant qu'à faire, privilégier ces produits de qualité. Voilà. Après, même si on ne peut pas nier que c'est important, la charcuterie industrielle, elle représente 75-80% de l'économie. Le tout, c'est de ne pas tricher, c'est de dire, voilà, là, vous achetez quelque chose qui n'est pas noustral, qui n'est pas fait avec du porc noustral. Vous pouvez apprécier ou pas, mais vous savez ce que... Vous le savez, voilà, au moins vous le savez. Et avec l'AOP, n'hésitez pas à bien regarder sur le logo, c'est marqué, et comme ça vous pouvez savoir ce que vous achetez. Deux petites secondes, parce qu'il y a le caméraman qui veut dire quelque chose, oui. Le programme de cet après-midi, c'est quoi ? Le programme de cet après-midi, c'est quoi ? Le programme de cet après-midi, c'est quoi ? Alors moi, je vais manger... Remerciez le caméraman qui a posé la question. Merci. Non, ben moi je vais manger et après je m'en vais, mais cet après-midi, ils ont une autre visite avec le miel et le safran, donc c'est la technicienne... du miel qui va s'en occuper. Cet après-midi. On va s'organiser dans la salle des fêtes pour tous les enfants, même ceux qui ne sont pas demi-pensionnaires. Et même pour les gens qui sont là par hasard. Et même pour les gens comme vous qui sont là par hasard. Vous serez conviés au repas. On a réussi. Avec des produits de saison et des produits locaux. Bon, et si on peut, on restera aussi pour vous faire quelques images qui seront sur le site concernant l'apiculture. Ouais, voilà. Merci.
à tous. Et où est-ce qu'elle est partie, Florence? Florence, remonte pour nous dire au revoir, s'il te plaît. Elle est là? Elle est là. Non, c'est juste qu'on avait peur de descendre te chercher et que le réseau ne passe plus. On a dit le mot de la fin avec l'animatrice, le mot de la fin pour le syndicat des jeunes producteurs, cette opération, mais d'autres. Si on doit dire un message pour soutenir les filières de l'agriculture? Eh bien, il faut privilégier les produits agricoles corse en achetant local, et de saison et en direct, si possible, chez les producteurs. Je crois qu'après ça, on n'a plus grand-chose à rajouter. L'heure avance. Bientôt, on va nous aussi faire la petite pause repas. On mangera ici avec les deux syndicats, avec l'école et avec le musée. Et on mangera, bien entendu, des produits corse. À bientôt sur la page Facebook de Via Stel. Salut.